Alors, ça dépend les heures que vous me suivez. Bienvenue dans ma fidèle abonnée à Congo Liberté Télévision, votre humble serviteur, président Mustapha Touye, tout sur le Nabino, l'actualité politique, Oyozokoleka, Nakati, la République démocratique du Congo, tout parler Nabino, awa des points à l'ordre du jour. Qu'est-ce qui se passe? La convocation de madame l'ambassadrice américaine à la au ministère des Affaires étrangères et à la République démocratique du Congo, complot entre les États-Unis et le Rwanda dévoilé. Bonne nouvelle, ba Congolais boy ba été complot au Bazalaki Nango entre le Rwanda et les États-Unis. Ba komiko welana, ba komiko fundana. Nani afundi oyo, oyo aye afundi oyo. Complot et ebani, madame l'ambassadrice Liti Tamley est convoquée par le ministre des Affaires étrangères à répondre à ma question orale et débat. Yami Balé va convoquer qui est sous l'ambassadeur de l'Ouganda pour aller répondre à ma question au ministère des Affaires étrangères. Après, ma vérité, oh, Ebimi, il y a des vérités qui viennent de sortir. Dans le Conseil de sécurité à ONI, ba komiko fundan, ba expert ya République démocratique du Congo, ba yo ba soutenir la République démocratique du Congo, ba bimisi nyonso tout libanda entre complot aux États-Unis azalaki nango na Rwanda, complot oyo Uganda azanango, oba sali coalition na Rwanda pona ko agresser République démocratique du Congo, complot ebimi libanda nani azanani yango to ebisi bino bande ko na biso ba congolais boye ba ete fini la récréation. La diplomatie à jouissance de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Côté Oyo, Rwanda na Uganda, bakomiko tout en amoutou. Côté Oyo, États-Unis na Rwanda, bakomiko tout en amoutou. Oyo afundi Oyo, Oyo afundi Oyo. Le loto kubete masolo awa. Na kati ya Conseil de sécurité à Nations Unies. Na kati ya Conseil de sécurité à ONU, mamwe bebi kuna. Parce que, nino yon se boyebi, ete la République démocratique du Congo a été au centre des discussions entre le Congo, entre la Russie, les États-Unis et la France. Tous les bêtes à solo, awawa, na kata Congo, Liberté Télévision. Merci beaucoup, na ba fidèle abonné, ya Congo, Liberté Télévision. N'enge bozo ko zwa confiance, ya ko partager mes missions. Bo continue ko partager, bo continue ko liker, bo continue ko commenter, surtout, bo ilanda émission, intégralité na yango, bo ko yeba ete. Nini au centenaire de la République démocratique du Congo, président Mustapha qui est le centenaire de la République démocratique du Congo, Azoloba na awa na kati ya Congo Liberté Télévision. Mes chers Congolais, tolobi petozo continuer koloba. Fini la récréation. Complot au bateau bazalaki na yango. Complot ebimi libanda. Boyebi ete Vital Kamerhe auti ko yamba. C'est auto yamba banani basek banini ba sénat américain. Après quoi yamba sénat américain, tous les comptes de monsieur Vital Kamerhe et madame Chatur et monsieur Chalunga alias Daniel Massaro sont bloqués. Tant que zolo ba été le nouveau secrétaire général de l'UDPS qui va entrer, mission na ye ezanini ya ko reconquérir majorité na kati assemblée nationale. Qu'on reconquérir majorité dans cette assemblée nationale et de mettre Kamerhe dehors. Comment est Ayambi département de Tabasek, Sénat américain, Congrès américain, pardon. Kamerhe a reçu le Congrès américain à Kinshasa. Bit ya Congrès américain Ayamba ki awa. Les gens n'ont pas compris. Les congressistes américains baye sans voir le chef de l'État. Baye ba souki na président ya Assemblée nationale. Biti ya voyage na bango, bakle to yebite. Voyage o ba congressiste américain basali. Or, chambre ya congrès américain, eza chambre o esala ka ba loi stratégique ya États-Unis d'Amérique. C'est le congrès et le sénat. Les congressistes aux États-Unis bazaneti ba parlementaires. Sont des parlementaires. Quand les congressistes arrivent à Kinshasa, normalement, après que Koutanana chef de l'État, ils passent par l'Assemblée nationale. Mais les congressistes sont venus directement passer au bureau de l'Assemblée nationale, ni même à la présence du premier vice-président, il y a l'Assemblée nationale. Bakambo basololi etie bani Kamerhe na bango. Après passage, il y a les congressistes. Les congressistes, après qu'on les kanabango,
Nous avons suivi le procès 100 jours et si la cala. Mais aujourd'hui, je vous parle. Le compte de Madame Amida Chatur, le compte de M. Chalungu Massaro et le compte de Vital Kamerhe sont bloqués. Ba bloqué ba compte na bango. To yebite bit nini o e bloqué se ba compte na bango. Oyo, justice congolaise est bloqué ba compte ya 3 personnes. Lelo le batou, pourquoi Vital Kamerhe Azala Kaboy? To yebi et après sorti na ye na prison. Après qu'il a rencontré le chef de l'État. Parce que Kamerhe, Union Sacrée et Salemi Vital Kamerhe était en prison. Quand Salemi et Union Sacrée, Kamerhe était en prison. Kobimanaye a kouti Union Sacrée, a kouti Samaloukonde, a kouti Fatissi Azoua Majorité, a Boma Coalition FCC Cash. Kamerhe est allé à l'Est. Kokenene na Est. Avant que l'Est à l'Obaki, il faut qu'il y ait un dialogue entre les M23 et la République démocratique du Congo. Oh, les Congolais, tout batikala, qu'acceptaient jamais. Tous les Congolais n'étaient pas d'accord dans le discours de l'actuel président de l'Assemblée nationale pour dire que le Congo doit réconcilier avec les Rwanda et les M23. Oh, bisonnions sur tout le monde, tout accepter. Qu'est-ce qui s'est caché dans le dialogue oh, à Sengaki entre Félix Tshisekedi et Naba M23? Il paraîtrait, il est allé jusqu'à Bounagana, pendant que, depuis guerre à Est et Banda, il n'y a aucun Congolais qui a franchi d'aller jusqu'à Bounagana. Donc, il y a Bounagana, il y a un M23. Bah, solo la nini, point d'interrogation. Donc, il y a entre parenthèses. Aujourd'hui, il a reçu les chambres de congressistes. Bah, congressistes, bah, il y a une mission nini. Oh, il y a un yébite. Oh, bah, solo la nini, yébite. Parce qu'il y a actuellement aux États-Unis, il y a un problème sérieux entre le départ, entre les républicains et les démocrates. Parce que et loco o et salemi aux États-Unis, si c'était en République démocratique du Congo, il ngolo ba mambo mususu. En pleine campagne électorale, ba beti opposant Masasi, opposant farouche, il y a États-Unis. Parce que quand on parle les démocrates sont des gens qui sont au pouvoir. Quand on parle, les républicains sont actuellement des opposants. Opposants farouches en pleine campagne électorale. Bah, Betty et Massassi. Chance. Donald Trump n'est pas mort. Akoufa quitté. Et le cas qui est dans l'Itoï. Si c'était cette action et le cas qui est dans RDC, qu'est-ce que les gens voulaient dire? En pleine campagne électorale, bah, Betty opposant Massassi. Batu balinga ki baloba nini na kati ya République démocratique du Congo. Batu balinga ki baloba mutu atindi bango Tshisekedi. Que pendant campagne électorale, exemple Babeti Martin Fayulu Masasi, soit Babeti Katumbi Masasi, batu balinga ki baloba nini mutu atindi bango c'est qui? Qu'est-ce que les gens voulaient commenter? Qu'est-ce que les gens voulaient dire sur cette affaire? En pleine campagne électorale, ba assassiner opposant, ba beti opposant Masasi. Même mes yeux rien à l'itoi, na Congo linga ke l'Obama nini, pouvoir mutetindi. Mais ça s'est passé aux États-Unis d'Amérique, dans un pays le mieux, dans le pays qui se prétend être le pays le mieux sécurisé du monde, le pays le mieux sécurisé du monde, et le président le mieux sécurisé, et là où il y a la sécurité plus important. Mais pendant campagne électorale, ba beti opposant Masasi. Ma bête opposant Masasi. Ce qui est allé dans le Congo, c'est Tshisekedi. Si c'était au Congo, Tshisekedi Mutatindi. Mais, il est aux États-Unis. Président de la République va proclamer élection. Ma député ne va même pas investi. Sur le même jour, le président dissout l'Assemblée nationale. Zambé. Là, c'est la démocratie. Na Congo bakoloba nini? Na Congo batu bakoloba nini? Nini esalemi en pleine? Moins de deux jours,
y a investi, va investir le gouvernement, va proclamer élection dans l'Assemblée nationale. Dès que proclamer les élections à l'Assemblée nationale, dès que proclamer les élections par la CENI, confirmé par la Cour constitutionnelle, Macron dissout l'Assemblée nationale. Pourquoi? Parce que son parti n'a pas la majorité. Donc, Netina Congo va proclamer élection IDPS et Zui majorité. Union Sacrée n'a pas la majorité. Félix Tshisekedi directement dissout l'Assemblée nationale. Amélie Bangoun élection. Batou Balanga Kiba Lobanini. Discours wa ba Congolais elinga ozanini. Discours ya boposa elinga ki ezalanini. Lelo oyo, to ye awa avec votre humble serviteur, le sentinelle de la République. Le sentinelle de la République, Mustapha Mafuta. A toko dik, toko dis. Donc, émission eza na première partie, na deuxième partie. Toko loba awa, toko sala décryptage ya actualité politique. Le nouveau secrétaire général de l'IDPS. Oyazo Kota. Avec leadership. Qui a la vision du chef de l'État. Parce que ton ligne moutou à Kota a la vision mon Konzamboka. Si l'IDPS souffre parce qu'il manque la vision à la tête du parti. Si les combattants souffrent. Les combattants n'ont pas le travail. C'est une non-ancy entreprise. Il y a la République démocratique du Congo. Parti au pouvoir compte 5 directeurs généraux. Ça, c'est la leadership. Tu nous parles, tu as la leadership au sein du parti. Tu as la leadership au sein de l'Union Sacrée. Membre, président, présidium, il y a l'Union Sacrée. C'est toi qui convoques les réunions de l'Union Sacrée. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Nonancy entreprise, UDPS compte 5 DG. Mata, Jean-Claude Mukendi, Nani Sous. On a route une ébika mibale. Bah, mais si on a été sur qui bat tekaka ba poste na bango. T'en découvrir. DG ya Jekami, ya Régie des eaux, Nasnel. Ce qui se passe. Bandeko, manque de leadership au sein de notre parti. Faut que l'on batte, bon batte. Nous sommes des intellectuels. Nous avons étudié. Moi qui vous parle, c'est Vezali. Démarche ni na salate, pour na sala master na ngai na NF, École nationale de finances. Na sali tout. Na zwa appui na ye, ya CG. À l'époque, Nicolas Kassadi Kifi. Le ministre des Finances. Et c'est là qui appuie Naye Abenga Kaka Nicolas. Master. Il a refusé. De chez na longa pa na 6h na kompa na 6h40, de 6h40 à 20h. Quel manque de considération ba combattre ba fanda libanda na ndaku naye. Il y a même pas une chaise. On met qui boye, maître naye babenga kambouyi, chef à sécurité naye, policier wana, a tombe la bakombata boua kabango libanda. Bana na yo yanda kubazo boua kabango libanda, pas policier na yo. Toi tu veux parler de quoi? Le parti qui devrait accompagner le chef de l'État, c'est l'UDPS. Mais le parti qui détruit le chef de l'État, c'est l'UDPS. Grâce à qui? Celui qui est au sommet du parti, il n'a pas la vision du chef de l'État. Pour lui, c'est l'argent qui lui concerne. Parce que c'est pas un qui nous occupe dans le Congo. Il n'est pas là. Lui voit que quand il y a des postes, il prend les postes, il vend les postes. Liquidation des postes. Bande Kolongaï, ba Congolais. Parti au pouvoir. Première puissance dans l'Assemblée nationale. Soi-disant. Oye à l'obaka. Moléage à ma poste. Parce que Yemoko a lobby yango. Bon, là, dans la vidéo, il y a Yemoko, secrétaire général, sortant. Ba député tout ba bimingane na nouma bango. Quel lingala ni nyazo loba. Sorti médiatique, nyon sotu ya secrétaire général et zarate. Sorti médiatique, nyon sotu ya mese kabouya et zarate. Je vous dis, comme mon cas, je dois vous dire la vérité. Faudra ça la
master, je suis allé chez lui pour lui parler. Catégoriquement, 4 jours sans succès, à Yamangate, parce que je suis du Congo central. Faut tout le monde arrêter. Parce que dans un mouton, il habite. Bon, la sillage, il y a un tambour. Bon, j'y jette. Un népotisme, le clientélisme. T'as la sillage, il y a. D'abord, un, je vais vous dire, le secrétaire général a l'intellectualité. Là, c'est vrai. Il n'aime pas les intellectuels. Le lo, on compte ma boye. René, président René, coordonnateur et parlementaire debout à grand marché, Zan Nobomoko. Notre coordonnateur, René. Azan a titre master. Nini Zangi a la conseiller na primatire. Nini Zangi René a la conseiller na primatire. Qu'est-ce qui manque Joël Kitenge, maître Joël Kitenge, a la conseiller na primatire. Ingénieur Pasteur Gili, c'est un ingénieur de formation, il y a ISTA. Qu'est-ce qui lui manque à Tinde à ta conseiller na ministère, il y a énergie. Oh, tout le monde vérité, tout le monde est tout le monde pembe. Tout le monde pembe parce que lui pense que tous ces gens-là n'ont pas étudié. Nous avons des CV, CV et Tonda. Ce qui est en train de se faire, c'est que nous avons une émission chaque brevet de formation et mes titres académiques. Nous avons une émission à lobby. Tu as expliqué que nous avons une intellectualité. Ce qui est un télo à l'intellectualité. Il y a des gens qui ont été en train de se. Or, chez nous, moi qui vous parle, science ou on est en train de se faire, jamais. Moi, c'est Dieu. Le Dieu de Roland Dalo et le Dieu de André Jean Vernon. Il y a la borne. C'est tout. Nous avons la borne. Il y a Jacques Bondo et le pasteur Tchérimbala. C'est tout. Je ne crois pas à cette secte ou on est en train de se faire. Tous les fonds dans l'église, nous manquons à payer même le loyer. Pourquoi? Parce que celui qui dirige notre parti, c'est un méchant. N'a pas si bien, Joël Kiteng, maître avocat, à ça l'a raté point. René, licencié, à ça l'a raté point. Pasteur Gili, ingénieur de formation, à ça l'a raté point. Pascaline Kassongo, Oya, Alekas, ma sœur. Qui passe na Yeba TV. Gradué de formation, master. A ça la raté pour moi qui vous parle, gradué de formation, plusieurs CV. De formation. Comptabilité. Natangi comptabilité publique na INAF. Institut national d'administration et de finances. Expert na batmoi munisco ya comptabilité. J'ai fait cela. Oh, maîtrise à grand livre, journal, ya balance commerciale. Toye biango. Ni nati na kabisote. Augustin Kabouya a l'ingaba intellectuel te, ce qu'on a intellectuel. Donc pour lui, il considère tout le monde des idiots. Nde omoni, ba toi baza ba intellectuel, ba pousse na ka pembeni na yete. Ba tu na tangele bino, boko mona ka jamais pembeni ya Kabouya Joël Kitenge. Boko mona ka jamais René. Boko mona ka Mustafa te. Boko mona ka Gili te. Boko mona ka Pascaline te. Boko mona ka ba tu ya Zandu. Ba miyake bo mona ka bango pembeni ya Kabouya te poani. Bo tu na ye ayina ba tu Zandu ponani. Parce que le parlement est à la casse. Ce qui reste, le parlement, c'est le marché central. Il dépend ses vibraca grâce au marché central. Au moment où on a les réseaux sociaux. Pourquoi Aïna, Yokasson, pourquoi ça la pembe ni naïté? Parlement est à la place où on a limité. Pourquoi? On se le dise la vérité. Il n'aime pas les gens qui ont l'intellectuel. Quand tu as coefficient intellectuel chez lui, on ne pousse à naté. Pourquoi? Osan a vision. Donc, il manque à vision. Tu es là, tu chantes avec lui. Tu te réveilles le matin, tu viens chez Kabouya. Au fond, on a 6h. Lui se réveille à 13h à déjeuner. Na ye, sili, à Bimi, à Ebisio Landangaï. Tu pars jusqu'à Ekoyambo à 3h. Chez moi, ça ne passe pas. On a force à la Kafachi. Parce que Nabil est le président de la République. Il ne reçoit pas les gens au téléphone. Et il connaît tout. Le mal à lui, c'est ça. Tosali de part, nous avons fait de grandes forces pour que Kabouya, Kabound part. Kabound est parti. Aujourd'hui, l'IDPS, il y a des autres qui regrettent Kabound. Pourquoi? Kabound avait l'esprit de l'écoute. Kabound a bandeau yoka. Mais elle, Kabound, même na erreur, pas Kabouya. Kabound a bandeau yoka, souhaité Kabound est parti. J'ai parlé à Augustin Kabouya, le départ de Jean-Marc Kabound, dans sa véhicule, dans son véhicule, pardon. Secrétaire général. Ce que Kabound a subi doit te servir de leçon. Qu'est-ce que oui. Kabound m'a Kabouya m'a dit?
Il n'aime pas les intelligents, les intellectuels. Les lois ont guerre, ont idées, ont fachazanang. Pourquoi? Parce que ndakunaye mutuazan a sommé. Un esprit d'écoute. Or, dans la vie, faut que yo kaka ming koloba mouke. Koyo kaka mingi koloba mouke. Ce qui est mal chez Kabuya, il connaît tout. Oye bisebo, je connais. Oye bisebo, je connais. Na pesi bino exemple. René Soki Azala qui n'est à ta conseil na primatif. Soit il dirait Kaba na cabinet ministériel Mokobo. Ba maître Joël Kiteng. Tout. Bidoko et Mozalate. Mais comment mise en place Nyon surtout les 96 entreprises aujourd'hui CNSS. Ba combattant. Ba kozwa misala. Aujourd'hui. Même na IGF, l'inspection générale de la finance. Qu'est-ce qui manque formé? Bah tu vas licencier en économie, bah qu'il ne coule pas ça là, tester pas formation et qu'il va côté IGF. Qu'est-ce qui manque à lui? Lui a zoté là, angoté. Sa femme est directeur à l'OCC. Moi si naie. Asa cadre na OCC. Biso bah tu tikali, neti boy. Ha, et si ni pour na biso. C'est fini. Cause la elo contenu tous a biso tous zandu bosana pa Kabuya. Bosana. Lelo lit o tobundi. Lit o etse chiseke di abunda. 37 ans de lit il de pèse. Poto sa la forage ya $300,000. Forage ya $300,000. 37 ans ya lit ya il de pèse. Poto ke kosali sa forage ya $300,000. Pour pas détourner plus de 405, plus de $300 millions pour avoir un forage. C'est ça. Et ça, Biloko IDP se fait dénoncer. Parce que Biloko IDP c'est combattant. Mais ce que nous avons combattu aujourd'hui est attrapé Bissot. Mon frère, le meilleur secrétaire général, moi je le dis franchement, Chadari a donné les gens au pouvoir. Chadari a fait ça, bah, tu as perdu Misala. Il y en a CG mon côté à Pessa, tu as perdu. Tu as mis ça Ramazan, Emmanuel et Ramazan Chadar. Chadar est un bon secrétaire général dans sa famille politique, pour ses membres de famille politique. Mais nous, Kabuya est un mauvais CG pour les combattants. Pourquoi? Pour lui, chômage n'a pas de vie. De malamounaï. On a combattu 6 ans pour payer à ton sa charo automobile, l'oupang mobile, banami tout cas. Aroulagana, une affaire, plus moi 6 land crisées. 6, plus soit V8 naïe. Banago beta charo automobile à Tamolanango. Chaque véhicule coûte combien? Plus de $500,000. Na opposition à la Kibon. Mais regarde, les combattants continuent à souffrir. Bandeko. Le loi, tu ne faut pas comprendre. Combat, il y a fait chef de l'État. Tshisekedi est là pour combattre les anti-valeurs. Tshisekedi est là pour combattre l'insécurité à l'Est. Insécurité haute aux zones en Est. Ce n'est pas le fruit de Tshisekedi, de Félix Tshisekedi. Mais l'insécurité à l'Est, c'est Joseph Kabila et Kagame. Et Museveni. Parce qu'il est allé signer les accords. L'accord qu'il a signé et engagé hier. Parce que c'est Kabila qui est au cabine du pays. Le là, oh yo! Il cherche à l'ingonza général. Chef d'état-major général adjoint chargé aux opérations et aux renseignements militaires. A comme il a Nord Kiv. Koko mané na Nord Kiv, Bayambiye, accompagné Jacquemin Chabani qui est le VPM de l'intérieur. Koko mané na Nord Kiv. Akoutani, n'a pas officier militaire. Bah, solo li ba expliqué. Il y a un petit message à Mokondi Mboka. Alors, le président Aza toujours, na vision na ye. Mamboya ko dialogue, n'a pas M23 exacte. Pas question de dialogue avec les M23. Toko Bunda peut-être défendre Mboka na biso. Parce que Kagame objectif n'a pas été à côté à Poussana à récupérer
Nord Goma, qu'on récupère Goma na Butembo et qu'on peut s'affacher passer à qu'on impose ton dialogue na Bango. Qu'on dialogue na Bango pour avoir précipitation pour lui. M23, tant que tu as brassage à Liboso, mixage à Liboso, bah officier, on a pas soldat, on a le colabacoli. Parce que Kagame a cotisé dans le cannabis plus ou moins 36 745 000 militaires. Oh, il y a un brassage, un mixage, il y a un Rwanda. Nombre, on a perçu 36 750 000 militaires. Bataillon, on a un bataillon, plus ou moins 37 bataillons. Oh, Kagame a cotisé dans le cannabis. Et les 37 bataillons, n'est pas militaire, n'aille, pas rwandais, ou pas la 4 République. Félix Tshisekedi arrive, a banni recrutement. Il a recruté dans la base qui tourne à plus ou moins 100 000 militaires. Ba recruté na Kamura, ba recruté na Kisangani, na Kananga, na Mbujimayi, tout. Dans toutes les instructions militaires, recrutement et formation ezali. Kagame est concentré. Ba soldat, on yonga na kotisa. Pendant brassage et mixage Yaliboso, ils ont quel âge? Parce que dernier brassage c'était en 2013-2015. Maintenant de 2015, t'as commis 2024, 9 ans passés. Na coticité, c'est qu'est-ce qui va m'arriver? Pendant qu'il a signé l'accord, accord va signer avec la communauté internationale, après de faire partir Mobutu, dès qu'on va faire partir Mobutu, t'as fait partir Eduardo Santos, Azate, Nanyakei. Donc, ça, là, Kagame est homme fort en Afrique centrale et dans la région du Grand Lac. Kagame devient fort dans l'Afrique centrale et dans la région du Grand Lac, même dans l'East Africa Communauté. Kagame qui va dominer, c'est lui maintenant qui sera notre intérêt d'Abisso. De tout ce que nous allons piller en République démocratique du Congo, tout ce que nous allons piller partout doit passer par Kagame. C'est Kagame qui devient maintenant gendarme des Américains dans la République, dans l'Afrique centrale et dans l'Afrique Grand Lac et na East Africa Communauté. Des Omonaki, ils ont fait tout pour que le Congo ne soit pas dirigé par un fils maison. Et là, quoi, Liboso? Mobutu était nationaliste, bah, ça l'est fort, bah, faire partir Mobutu. Mouzé Laurent Désiré Kabila est venu, il a signé les accords avec le Rwanda, il a signé l'accord de l'Émirat à l'Ouganda, en complicité Museveni et Kagame. Objectif, là, on a accord de l'Émirat, il y a qu'on pèse à Rwanda Mabele, il y a qu'on pèse à Ouganda Mabele. Rwanda a 300 000 km², Ouganda a vu partie de côté Maniema, côté Lituri, a collé la partie Wana. Nebomonitilelo, l'accord que Rwanda revendique, l'accord que Ouganda revendique, c'est l'accord de l'Émirat. Or, l'accord de l'Émirat, Mouzé arrive, Mouzé a signé, a commis dans le pouvoir. En tant que nationaliste, en tant que Congolais de père et de mère, alors, oh, mais il y a un nationaliste qui a signé. Est-ce que c'est que je suis allé signer? C'est pour l'intérêt du pays ou pour pas l'intérêt du pays. Amoni était éloqué à signer Kina Bango. Eze a malamouté. Il a abandonné, il n'a pas voulu. A koti, a balouke li batu o a signer Kina Bango. Accord. Et accord, wana amoni, eza pon a intérêt à peuplété. Accord, wana amoni, eza pon intérêt à mbokate. A boyaki, ko appliquer accord de l'Émirat. Et cet accord de l'Émirat avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est qui a amené Mouzé à sa tombe. Va faire partir Mouzé. Et pour succéder Kagame, et pour eux, le Congo ne doit pas être dirigé, ne doit pas être dirigé par un Congolais. Là, selon les députés français, alors ben, nous sommes allés chercher un bonhomme de 29 ans, à qui tu as dicté, à cause ça la bonne vision Nabiso, à cause ça la bonne intérêt Nabiso, intérêt à Banane, Yaminele et intérêt à Batouti. Et objectif Nabango et la communauté internationale, en République démocratique du Congo, il faut créer un empire et Matutsi. Dynastie Tutsi, il faut régner. Les Congolais ne doivent pas régner. Congolais qu'on dirige, Temutufa dirige Kakaba Tutsi. Congolais te, Kakaba Tutsi, bas ou à moyen, bas contrôler République démocratique du Congo. Tous les minéraux à Congo, tous les coins où il y a des minéraux stratégiques, les Tutsi doivent régner. Ne bas ou qui, quelqu'un qui n'a nationalité n'a été, yébite, bas qu'elle zoye. Bah pèsier pouvoir, bah s'allier, qui s'appelle Joseph Kabila, yende, bah pèsier tout pour à contrôler la République démocratique du Congo. Et, bon, Monika Kayem t'a dirigé, mais ce n'est pas lui. Celui qui a la tête, c'est qui? C'est Kagame.
Vous voyez que Kabila qui dirige. Mais dans les Noirs, Kabila n'est pas là. C'est Kagame qui est là. C'est Kagame qui contrôle. C'est Kagame qui nomme. C'est Kagame qui applique. Kabila ne soit pas dicté par Paul Kagame. C'était ça avant ce qu'il a signé avec l'accord de l'Emera. Et le lot, le Congolais souffre. Suite à quoi? Bah, accord à Kenya qui a signé. Le lot pays à Mukende et Rwanda. Et mon la République démocratique du Congo, un grand pays. Le Rwanda, ouais, quand il y a un nord qui vous faut 8. Mais Rwanda a contrôlé la République démocratique du Congo. Rwanda qui contrôle tout. Debomoni, pourquoi la tête à pays est là qui n'a mutuaza qui n'a vision te. Mutuaza qui n'a vision te na tête à pays. Mutumoko azala qui n'a tête à vision te, azana vision te, mutumoko aya qui n'a épona ko sala ba faire na. Debomoni ko ya Joseph Kabila, il n'a pas la vision, ni programme, ni projet à diriger Congo. Bomoni etelelo mboka etondela biso na batuti, bomoni etobania mulenge bakoti partout, le pays est parti, le pays est par terre. Suite à quoi? C'est lui qui dirigeait le pays, il ne connaît absolument rien. Aiba kité akobanda wapi, akosuka wapi. Pays ba dirigé en ba Rwandais, ba moneli biso, ba Rwandais ba piotiné biso. Les Rwandais, ils ont fait tout, le peuple congolais et même ne parlait même pas parce que celui qui était au pays, il n'avait pas la vision. Lelo Rwanda a commis comme ça biso même si les plans de guerre bitumba Rwanda est comme fort que le Congo. Congo un grand pays. Rwanda bana koloba que non, je suis prêt à faire la guerre avec la République démocratique du Congo. Ça ne se fait pas. Raison pour laquelle les Ouazalènes se sont levés. Ouazalènes dans le bin non. États-Unis a dit que non, oh des semaines encore. Des semaines encore, il y a trêve humanitaire. Le trêve humanitaire, tire l'eau. Tout le monde a kata tongate. Trêve humanitaire, tire l'eau. Tout le monde a presque opé sa batata biscuité. Là, nous disons non. Alors, les peuples congolais, on doit s'élever pour dire non. N'a pas vanti, n'yon surtout oyo. Et zo le cas, n'a kata République démocratique du Congo. Levons-nous comme un seul homme te soutenir, mon kondiambok. Le Ouazalènes de Baye Bissi Kagame Claire. Bitumba o eko zonga bisike outi. Après, Chalingonza. Na Jacques Mani Chabani. Ayambi ba wazale no na kata stade. Ba sololi na bango. Ya un groupe armé militaire, groupe armé moko eyaki. Ba lobi ete, nous sommes prêts. To sa la formation à 10 jours, to défendre mboka na biso. Et Chalingonza lobi boye. Le wazale no, je suis prêt, nous sommes prêts. To kope sabino tout. Bo se déployer partout. Pour défendre la patrie. La patrie ou la mort. Et les Ouazalènes ont été d'accord dans le message Oyo, le chef d'état-major général a dû charger au commandement, charger aux opérations et un renseignement à Bemela Kibango. Balobi clair, nous sommes prêts. Et les Ouazalènes ont mobilisé. Babi général a lobby, Tokope Sabino Nyonso pour défendre Mabele. Ensemble, nous avons fait des groupes armés Oyo et Bazaki nationaux et Bele Babi Mizamba. Babi si Chalingonza, Toye. Pour te moni oyo ba wazalendo bazo sal. Biso pe to za obligé to défendre mboka na biso. To bunda na ski mai far dise. To défendre mboka to si sa makambo oyo yaba M23. Et tout le peuple qui relève. Surtout bande ko na biso banande o boza na est. Bo linga mboka. Ba ko sa binote. Bo trahir mboka na binote to défendre mboka oyo. Mboka ya ba ko na biso. Merci beaucoup plus 243 89 86 52 097 plus 243 89 86 52 097 ciao à la prochaine.